Bonjour à tous, aujourd'hui voyons les commandes de la caméra. Prenons en exemple ce projet. Vous remarquez que l'espace de jeu est plutôt petit et qu'il est décentré. Pour résoudre ce problème, allez sur la page d'événements. Vous y voyez deux commandes de caméra. Une première au début de la scène pour changer le zoom à 5, ce qui est 5 fois l'échelle par défaut du jeu. Toutes les valeurs inférieures à 1 vous donneront un zoom arrière, et toutes les valeurs supérieures à 1, un zoom avant. La seconde commande est une action sans condition qui centre la caméra sur le joueur. Si vous ouvrez l'action zoomer, vous voyez que le zoom est de 5. Mais aussi que le calque est laissé vide, parce que tous les objets sont sur le calque de base. Vous pouvez laisser tel quel. En ce qui concerne le numéro de caméra, vous n'en avez pas besoin dans cet exemple, laissez-le par défaut. Si vous prévisualisez le jeu, vous constatez qu'on zoome sur l'image, que la caméra est centrée sur le joueur et suit tous ses mouvements. On laisse cet effet si cela correspond aux besoins du jeu. Nous allons faire autrement aujourd'hui. Pour modifier cela, retournez sur la page d'événements et supprimez l'action de la caméra pour centrer la caméra sur la position X. Définissez-la sur égal, puis mettez le type de valeur sur la fonction LR qui prend en paramètre trois valeurs. La première, la position où vous êtes. La seconde, pour la position où vous souhaitez aller. Et la troisième, la vitesse pour y arriver. Pour la première, indiquez la position X de la caméra. Pour la seconde, la position X du joueur. Et pour la troisième, une vitesse à 0,05. Pour centrer la caméra sur la position Y, faites un copier-coller de l'action et modifiez les paramètres de la fonction LR en les remplaçant par les valeurs Y correspondantes. Maintenant, la caméra suit simplement le joueur sans marquer tous ses mouvements. Abordons maintenant les différents calques. Si vous voulez créer ces deux objets, un cœur et l'arrière-plan, vous devrez créer un calque pour chacun. Ajoutez un calque d'arrière-plan en vous assurant que celui-ci soit placé sous le calque UI, de sorte que l'arrière-plan soit bien derrière et que les objets du calque UI soient bien devant. Allez dans les propriétés d'un objet pour modifier le calque auquel il est rattaché. Vous constatez sur le jeu que tout est présent. Les deux objets se trouvaient à l'origine dans le cadre de la fenêtre par défaut, parce que la caméra de ces deux calques n'a pas bougé. Pour centrer l'arrière-plan, il y a deux actions ajoutées. Tout d'abord, au début de la scène, puis ajouter un zoom de caméra sur l'arrière-plan. Et centrer également la caméra sur l'arrière-plan. Remarquez que cela a été changé pour le calque d'arrière-plan au lieu du calque par défaut. Donc, entre guillemets, vous devez préciser le nom du calque. Maintenant, vous allez appliquer les limites à la caméra en ajoutant l'action correspondante. Vous pouvez aller sur la scène du jeu, zoomer et utiliser la souris pour déterminer la fin de la scène. Dans le coin en bas à gauche, vous verrez les coordonnées X et Y de l'endroit où se trouve votre souris, que vous noterez sur votre page d'événements. Vous savez que la partie supérieure de l'écran est 0 et 0, et rentrez vos coordonnées. Dans notre exemple, c'est 486 et 142. Prévisualisez le jeu. La caméra suit le joueur jusqu'à ce qu'il atteigne la limite. Bien entendu, cela fonctionne aussi pour l'autre côté. Par contre, la caméra reste si le joueur saute et sort de l'écran. Une autre action utile à ajouter est l'angle de la caméra sur un calque. Et pour cela, vous allez le configurer pour qu'il s'ajoute au calque de base lorsque la touche C est enfoncée. Vous voyez ainsi sur le jeu que lorsque l'on appuie sur la touche C, le calque de base se retourne. Cela peut être utile si le joueur grimpe une montagne. Vous pouvez incliner le calque ou si vous souhaitez faire des secousses. Mais il y a une manipulation plus simple. Revenez à la scène du jeu. Ouvrez le gestionnaire de projet et allez sur les fonctions et comportements. Vous pouvez installer les extensions en cliquant sur « Rechercher de nouvelles extensions » et chercher « Secouer la caméra ». Maintenant, allez dans la page d'événements. Dans le chapitre collision avec l'objet, lorsque le joueur rencontre un pic, vous pouvez ajouter une action pour le tremblement de la caméra. Vous voyez sur le jeu que l'image tremble lorsque le joueur tombe sur un pic. Le conseil pour la fonction LERP est de multiplier par Time Delta pour garder une vitesse d'exécution identique quelle que soit la puissance de la machine. Nous avons vu les commandes de la caméra. Comme d'habitude, laissez-nous vos commentaires. En attendant la prochaine vidéo, pensez à vous abonner.
Merci et à bientôt.